Bonjour, il est tout juste 11h. Vous êtes très certainement sur l'une de vos pages Facebook préférées en lien avec les offices et les destinations qui nous accueillent aujourd'hui pour une belle balade en Haute-France dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. On va partir dans l'Arrajois, on va partir dans le Montreuillois, on va partir dans le Boulonnais, on va partir dans l'Audomarois à travers cette grande première, une émission qui a pu être montée notamment à l'initiative de la plateforme des organismes de tourisme de la région de France. Et qui de mieux pour en parler, pour démarrer cette émission, la personne de son président, monsieur Christian Berger. Bonjour, président. Bonjour, Julien. C'est beaucoup d'honneur que tu me fais. On va continuer à se tutoyer quand même. Bien sûr. Oui, alors, la plateforme des organismes de tourisme, c'est la POTE. Et donc, vous voyez l'ambiance entre nous, c'est plutôt une ambiance de POTE, il faut le dire. Et notre mantra, c'est être heureux et rendre heureux. D'abord, les équipiers des offices de tourisme. Et on travaille maintenant depuis 2 ans à faire monter cette mayonnaise particulière qui fait que nos personnels des offices de tourisme sont de mieux en mieux dans leur métier. Et pourquoi on veut qu'ils soient de mieux en mieux? C'est parce qu'ils accueillent du public, ils accueillent des clients, et ces clients-là le ressentent. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait. Et puis derrière tout ça, il y a eu beaucoup d'échanges depuis 2 ans, certainement que la crise de la Covid nous a aidés. Et ces échanges nous ont permis d'innover entre nous. On s'est aperçu qu'à tel endroit, quelqu'un savait faire quelque chose, à tel autre chose. Et on s'est aperçu notamment qu'à Saint-Omer, il y avait un travail qui avait été fait notamment sur la captation vidéo, sur le montage d'émissions. Et on s'est dit avec Julien, sur une proposition de Julien, parce que c'est un peu ça aussi la POTE, c'est pas le président qui décide, c'est ceux qui font d'abord. On s'est dit, on tape dedans et puis on fait une première émission qui s'appelle Balade en Haute-France. Alors c'est sur les journées du patrimoine parce qu'on est sur le week-end du patrimoine et vous allez voir, il y a énormément de choses. Et pourquoi avec les autres offices de tourisme? Parce que c'est ceux-là, ces gens-là, qui vous accueillent tous les jours sur les territoires. C'est ceux qui ont la meilleure connaissance du territoire et c'est ceux qui ont certainement le plus envie de le partager. Qu'est-ce qui parle bien, notre président? Une petite carte postale de la POTE. Combien il y a d'offices de tourisme dans la région? Alors, il y a un peu plus de 70 offices de tourisme. Ça bouge, hein, parce que les offices de tourisme changent parfois. Il y en a qui s'agrandissent, d'autres qui se réunissent. Et donc, on a 70 offices de tourisme. On en a beaucoup moins qu'avant. Et c'est intéressant parce que souvent, les structures devenant un petit peu plus grosses, elles ont plus de moyens pour pouvoir interagir et notamment monter ce genre d'émissions. Et donc, c'est vraiment important de le signaler aussi. C'est un métier qui s'est énormément professionnalisé et c'est un métier qui garde le cœur, en fait, dans son âme. Et donc, ça donne de très bons résultats. Très bien. On peut citer quelques exemples de réalisation de la POTE ces derniers temps? Il y a évidemment cette émission, mais il y en a eu d'autres par le passé. Oui, on a... alors pour le grand public, on peut citer du potager à la table, qui est une réalisation qui est très présente d'ailleurs sur le Pas-de-Calais. Et je salue la directrice de Pas-de-Calais Tourisme, qui est la POTE, qui s'occupe de ce dossier-là dans la POTE. Ça fait très schtroumpf. Hein, ça fait très schtroumpf, ouais, ouais, on pourrait même aller jusqu'au POTE de publicité si on voulait, mais vous voyez, on peut faire beaucoup de jeux de mots avec la POTE. Et dans du potage à la table, il y a aussi le mot POTE. L'idée, c'est de réunir les restaurateurs et les circuits courts qui travaillent ensemble et de les mettre en valeur, parce que c'est important de montrer que c'est sur les territoires que ça se passe. Et dans l'organisation des territoires, c'est notre métier aussi de le faire. On voit souvent de l'accueil, on voit souvent de la promotion avec les sites internet, mais notre métier, c'est aussi d'essayer d'organiser les territoires pour être plus performants. Bon, bah, génial. Bah, merci, président. Qu'est-ce qu'on souhaite à cette émission? On souhaite plein succès et peut-être des frères et des sœurs dans les prochains mois. Pourquoi pas? Pour vous retrouver là sur, sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, et vous présenter certainement encore nos territoires, et puis peut-être avoir une communauté qui grandit, comme la POTE aujourd'hui. Bon, bah, génial, bah, merci président. Alors, merci, on va partir sur un premier territoire que tu connais bien, puisqu'on prend tout de suite la direction d'Arras, Pays d'Artois, Tourisme.
de bien belles images réalisées notamment par Quentin et Dorothée. Alors ma première invitée et directrice adjointe d'Arras Pays d'Artois Tourisme, c'est Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Julien. Ça va bien ? Très bien, contente bon, d'être ici, sur ce premier plateau. Contente de t'avoir comme l'une des premières invitées de cette nouvelle émission. Alors on va se balader, c'est le principe, hein, on va se balader justement dans le territoire d'Arras, on va commenter quelques images. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots cette destination ? Arras, pays d'Artois, oui. C'est à la fois du patrimoine, mais aussi de la nature, de la belle campagne. C'est aussi des activités sportives. J'ai vu quelques images de Riverside Park. Ouais. On peut vivre des sensations avec cette rivière artificielle, faire du rafting, de l'hydrospeed en pays d'Artois. On les voit d'ailleurs, voilà, ces images, c'est magnifique. Ces images de voilà, le rafting qui descend ce torrent artificiel. C'est le pays d'Artois, c'est aussi un point de rendez-vous sur les places d'Arras, oui. Sur les petites et la grande place, au pied du Beffroi. Le Beffroi est un peu le phare de notre destination. C'est un art de vivre, on prend le temps de flâner au milieu de ces belles pierres, de déguster, de boire une bière entre amis sur les terrasses. Et puis voilà, là on découvre la Grand Place avec ses façades à pignon baroque. C'est nounours. C'est nounours. On rencontre beaucoup de gens sur les terrasses d'Arras. Et puis après cette Dolce Vita, enfin après cette pause sur les places, eh bien on peut partir à la découverte de la campagne artésienne. D'accord. Et autour de cette campagne, on va rester un petit peu sur Arras. Il y a des lieux de mémoire. Je pense notamment aux carrières Wellington, oui. Qui sont des lieux qui se visitent. Et d'autant plus avec ces journées européennes du patrimoine. On les voit d'ailleurs à l'image, hein, ces carrières. On peut présenter un peu ce lieu qui est de plus en plus connu, évidemment. Mais La carrière Wellington est un lieu phare de la mémoire, mmh. de la Grande Guerre. Un lieu connu internationalement connu. On accueille des Néo-Zélandais, des Canadiens, des Britanniques dans ce lieu de mémoire. Un lieu unique, hein, comme vous pouvez le voir, on est dans un univers exceptionnel, à part, on est à 20 mètres de profondeur dans les anciennes carrières de pierre calcaire. Et on met ses pas dans ceux des soldats de la Grande Guerre qui ont eu cette idée audacieuse d'utiliser ces anciennes carrières de pierre calcaire pour créer un cheval de Troie, une ville souterraine capable d'accueillir 24 000 soldats pour attaquer par surprise l'ennemi allemand le 9 avril 1917. Voilà, c'est un lieu chargé d'émotions où on accompagne les soldats dans les préparations de cette bataille et on vit avec eux, à leur côté, ces derniers instants avant le déclenchement de la bataille. À 5h30, le 9 avril, il fait noir dehors, il y a du vent, de la neige, et on est là avec eux à vivre ces dernières minutes, ce go. C'est vraiment un lieu d'émotion et lorsqu'ils surgissent sur le champ de bataille, c'est le déluge. Ah, c'est totalement immersif, donc on revit cette période, on rentre dans l'histoire, si je puis dire. Un peu plus loin, tu évoquais la campagne donc, autour d'Arras. La campagne autour d'Arras, elle a plusieurs visages. C'est une belle campagne à l'ouest avec on a une image magnifique du village de Pazan-Artois. Ce panorama sur ce village de pierre blanche qui est niché dans un cœur verdoyant. Cette vue est superbe. C'est cette campagne qui se trouve plus à l'ouest d'Arras, avec aussi, là encore, on a aussi ces tours de l'abbaye du Mont-Saint-Éloi, qui sont qui là aussi représentent le phare, hein, qui offre un panorama exceptionnel sur cette campagne. On voit avec ces magnifiques champs. Ces cultures, Mont-Saint-Éloi, il suffisait de. Les images arrivent, c'est magnifique. Mont-Saint-Éloi, ces tours Mont-Saint-Éloi, je vous invite à vous approcher de ces tours et vous verrez donc un panorama à la fois sur la ville d'Arras, mais aussi sur toute cette campagne, sur ce pays d'Artois. Là aussi, la pierre blanche domine la construction. Ce sont de très beaux villages, des villages patrimoine, puisque que ce soit pas en Artois ou Mont-Saint-Éloi, ainsi qu'une dizaine d'autres villages, ce sont des villages qui ont été labellisés villages patrimoine.
D'accord. Eh bien justement, on va rester dans la campagne du pays d'Arras. On va partir avec Quentin pour cette première balade. On va se rendre dans le village de Sodemont, où le maire d'ailleurs nous attend devant l'église du village. Bienvenue en Pays d'Artois. Alors on est arrivé ici dans le village de Sodemont avec monsieur le maire. Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bon bah super, merci de votre accueil en tout cas. Alors comment est-ce qu'on peut en quelques mots et rapidement qualifier le village de Sodemont? Bah, Sodemont c'est un village rural, 450 habitants, qui bénéficie d'une forte richesse patrimoniale, qui a, parce que son clocher est monument historique, est classé monument historique, a effectivement une architecture très homogène tout autour du village et possède de très très nombreuses richesses. Oui. Et avec un maire très dynamique qui est amoureux aussi de son patrimoine. Ah bah forcément, donc c'est la raison pour laquelle nous avons à travers une démarche qui est pas toujours simple, mais nous avons obtenu et nous en sommes fiers le label national village patrimoine l'année dernière. Oui. Très bien. Et du coup, si on se trouve juste à côté de l'église, c'est parce que pendant ce week-end, donc ce week-end des Journées européennes du patrimoine, l'église accueille une exposition qui vous tient à cœur. Comme je vous le disais déjà, le clocher est un élément remarquable du village. Hein. 1150, 12e siècle, le seul clocher qui n'a pas été détruit pendant la Première Guerre mondiale dans les environs. Et donc qui possède effectivement un attrait à lui seul. Et l'église également possède un certain nombre d'éléments qui vont être inscrits au monument historique comme des fonts baptismaux de 1534, un banc de communion, mais aussi, ils ne sont pas classés, mais des vitraux remarquables de l'école de Nancy des années 30. Et pour les journées du patrimoine, non seulement tout ça est à disposition, est ouvert au grand public, mais en plus l'association Sanctus Mons, les paroissiens, ont organisé une exposition des vêtements sacerdotaux, catafalques, donc pas seulement que des vêtements pour les personnes, mais aussi tout ce qui servait aux processions. Et c'est une joie de retrouver en fait ce textile qui n'existe plus, qu'on ne voit quasiment plus. Il n'y a plus de procession maintenant. Bon bah en tout cas, c'est à découvrir ce week-end. Monsieur le maire, on vous laisse adresser un mot à ceux qui vous regardent pour inviter justement les personnes à rejoindre le village de Sodemont et puis participer à ces journées européennes du patrimoine. Et puis nous, juste après, on va rejoindre la ferme de Carole. Absolument. Alors Sodemont, c'est un village accessible, très accueillant. Attention, ceux qui y viennent n'ont pas envie de repartir. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. As my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. On est toujours dans le village de Sodemont, on est avec Carole et puis Émir. Bonjour Carole. Bonjour. Alors ici on est dans une brasserie, c'est ça? C'est une comme ancienne ça que vous brasserie, appelez, ouais. Le lieu. Donc c'est un lieu un petit peu reconverti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un lieu familial en fait, c'est une ferme de famille qui en fait, mes arrière-grands-parents étaient brasseurs, venus de Belgique en partie. Et justement pour livrer les bières, ils avaient des chevaux de trait. Et donc vous avez consacré ce lieu à l'élevage du coup des chevaux de trait, c'est ça? On a surtout repris un lieu avec sa tradition, là où on est né. Alors c'est une activité qu'on va pouvoir justement découvrir ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine, c'est ça? Ah bah alors du coup le corps de ferme, alors moi le corps de ferme sera ouvert pour montrer en fait tout l'aspect collier, cordeau, tradition, les outils qu'on utilisait dans le temps. Mais aussi l'aspect moderne aujourd'hui, parce qu'en fait on a du matériel moderne adapté à nos chevaux pour travailler. D'accord, les chevaux travaillent du coup? Oui, bien sûr, c'est le but. Alors comment ça se passe? En fait, nous c'est une passion, donc on a, oui, les chevaux travaillent, donc essentiellement travailler des champs, labour, débardage. Qu'est-ce que c'est le débardage? Alors le débardage c'est l'entretien des forêts. D'accord. Donc ça va des traîneaux avec des petits troncs ou des troncs à sortir dans des endroits un peu chaotiques. Avec des pentes. Et voilà. Donc c'est une technique un peu douce qui ne vient pas nuire à l'environnement. Non, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que sur des sols fragiles ou des endroits où le cheval est passé, en fait, on ne détruit rien et ça reboise. Ça permet de sortir des troncs, les passer entre d'autres arbres, entre les repousses et ne pas avoir des ornières. Et
Donc c'est un peu plus coûteux au départ, mais à terme, c'est quand même, on ne détruit pas l'environnement. Bon, en tout cas, c'est une très jolie passion. Alors, merci Carole, et puis on vous invite du coup à venir à la rencontre de Carole et Emir, et puis donc les autres, c'est Zaza et Drama. Ok, bon, bah, très bien. Merci beaucoup Carole. Il n'y a pas de quoi. Merci. Au plaisir. Oh, une bien belle balade. Alors Laurence, tu nous évoquais les atmosphères des villages du Pays d'Arras. Ici, on ressent bien. Et puis cet accueil aussi, tout de suite, on a envie d'y aller, on a envie de vivre un instant avec eux, une découverte du patrimoine. Oui, le village de Saumont et ses habitants, c'est un endroit extraordinaire qui est situé à l'est d'Arras, dans une terre de marais. Parcouru, traversé par la Scar, par ses rivières, par le Cogel, comme vient de nous le dire Laurent. Et on fait de très belles rencontres à Saumont. À la fois, vous l'avez vu, Carole, sa passion avec les chevaux de trait, qui nous fait revivre une tradition et un savoir-faire qu'on avait oublié. Et puis aussi, à Saumont, vous pouvez rencontrer les anges de Saumont. des anges du XIIIe siècle, alors plus exactement les copies de très beaux anges en bois polychrome qui sont aujourd'hui conservés au musée des Beaux-Arts d'Arras, qui sont les chefs-d'œuvre du musée et qui ont été redécouverts de manière fortuite il y a quelques années maintenant à Saumont. Et donc Saumont conserve toujours ces deux anges magnifiques. Les journées du patrimoine sont l'occasion de les découvrir in situ. Bon ben, génial, on va quitter un petit peu Saumont maintenant, si tu le veux bien. On va partir dans un endroit qui est très connu, puisqu'on y célèbre notamment le Main Square. On va partir à la citadelle d'Arras, qui est un lieu aussi de mémoire. Hein, je sais, avec une ancienne casquette, qu'on commémore aussi les fusillés du mur de la citadelle. Oui. Je pense qu'ils étaient près de 218, je crois, avoir été fusillés. Donc on va faire un petit tour. Je vais te demander de commenter après le reportage qui va suivre. On va rencontrer François, qui est guide conférencier, qui travaille également auprès de la communauté urbaine d'Arras. Et on va partir en balade avec lui, au sein même de la citadelle, avec Quentin aux commentaires. On continue notre petite tournée en Pays d'Artois et puis on est arrivé ici à la citadelle d'Arras. On est avec François. Bonjour François. Bonjour. Donc vous êtes chargé tourisme ici à la communauté urbaine du pays d'Arras, exactement. Quelques mots sur le lieu ici, la citadelle. Alors cette citadelle, elle a été construite par Vauban à la demande de Louis XIV à partir de 1668 pour à la fois protéger la ville d'Arras et aussi la surveiller. Ce qui fait que Vauban l'a construite un petit peu en retrait de la ville pour pouvoir mieux surveiller la ville. Et ce qui lui donne aujourd'hui son caractère un peu inédit, qui est un petit peu proche de la ville, mais en même temps proche de la campagne, puisque derrière nous, c'est les bois. Et alors aujourd'hui, c'est un lieu qui est approprié par les habitants. C'est aussi un lieu de vie, un lieu culturel, c'est ça? Cette citadelle, elle a eu une belle histoire. On l'a appelée la belle inutile parce qu'elle n'a jamais été attaquée. Mais en fait, c'était la volonté de Vauban qu'elle ne soit pas attaquée. C'est parce que Vauban a su bien défendre les frontières qu'elle n'a pas été attaquée. Mais elle a été utile à la ville et à l'armée pendant plus de 300 ans, jusqu'au départ de l'armée qui s'est fait en 2009. Et depuis 2009, c'est la communauté urbaine transforme le lieu en un nouveau quartier de vie polyvalent. Et donc c'est tout récent finalement, cette transformation. Au regard de son histoire, oui, c'est récent, mais on commence à avoir maintenant 10 ans de recul sur... parce que ça fait 10 ans qu'elle est ouverte au public. C'est maintenant, on peut y venir 24 heures sur 24. Et à la fois lieu de vie, lieu de travail et aussi lieu de culture et de loisirs. François, vous nous invitez à découvrir un plan relief, c'est ça? C'est ça. Bon, on y va tout de suite, c'est parti. Alors François, on est arrivé dans la porte royale de la citadelle, ici dans la salle des familles, dans laquelle d'ailleurs on peut découvrir ce plan relief de la citadelle, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va découvrir ici pendant ces journées du patrimoine à la citadelle d'Arras? Alors cette salle des familles, c'est le point de départ de toutes les visites. Il y a à la fois des visites classiques pour en une heure comprendre l'histoire et voir les principaux lieux, et puis aussi quatre visites spéciales sur inscription pour voir les différents aspects de la citadelle, notamment dans sa reconversion. Une visite où on va plutôt s'intéresser aux extérieurs, qui sont où il y a beaucoup de biodiversité dans les douves. Donc il y a un dialogue avec l'environnement et le patrimoine. Une visite pour parler plutôt de l'aspect mémoriel, puisque c'est aussi un lieu de mémoire qu'on
peut découvrir. Une visite pour sillonner sur les remparts et comprendre avec un architecte et les ouvriers tous les travaux techniques qu'on a fait pour restaurer les kilomètres de remparts qu'on a ici. Et puis une dernière visite qui nous emmènera jusqu'en centre-ville pour voir tous les lieux militaires qui ont été libérés par l'armée et comment ils sont devenus un véritable quartier à part entière. En tout cas, c'est une belle programmation. Votre visite coup de cœur, peut-être celle que vous conseillerez le plus, c'est laquelle ? C'est celle sur les remparts, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut dialoguer comme ça avec les ouvriers qui sont à l'œuvre sur ce chantier. Bon, en tout cas, peut-être un mot pour inviter toutes les personnes qui nous regardent à venir visiter cette citadelle d'Arras. Et puis, le bon plan de la fin de journée, ce serait quoi pour vous ? Alors, venir, c'est à la fois un lieu d'histoire, un lieu de vie. Et donc ça, on pourra aussi le découvrir en dehors des visites. Il y aura un parcours en libre accès pour découvrir tout ça. Et puis, à Arras, on finit toujours sur les places. Donc, rendez-vous sur la place pour la fin de journée. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Autour d'une bière. Merci à vous, François. Merci. J'ai l'impression que tous les intervenants dans le pays d'Arras nous invitent à boire une bière à la fin, décidément. On va céder bientôt à la tentation. Laurence, sur les images qu'on vient de voir, toi, ça t'évoque quoi cette citadelle ? C'est un patrimoine qu'on redécouvre depuis 10 ans. C'est extraordinaire. Mmh. Cette citadelle a toujours été présente au cœur de la ville, mais discrète, occupée par les militaires pendant plus de 300 ans. On poussait rarement la porte. On avait peu l'occasion de pouvoir parcourir, traverser cette citadelle. Et aujourd'hui, elle s'offre à nous avec tous ces visages. François en a très bien parlé. On peut découvrir à l'occasion des journées du patrimoine de multifacettes de cette citadelle qui est un patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un lieu à découvrir. Il nous a parlé de la citadelle comme un lieu de mémoire. Oui, un lieu de mémoire important pour la Seconde Guerre mondiale avec le mur des fusillés. Également la Première Guerre mondiale avec cette chapelle qui est unique en son genre, qui est aussi un mémorial en souvenir de tous les soldats du régiment de génie morts pendant la Grande Guerre. C'est des milliers de noms qui sont inscrits sur les murs de cette chapelle. Et puis cette chapelle qui est dominée non pas par un Christ ou une Vierge, mais par un poilu dans le cœur de la chapelle. Donc c'est vraiment à voir, et c'est un lieu qui est en restauration aujourd'hui et qui retrouve toutes ses couleurs et sa splendeur. Ça donne vraiment envie d'y aller. Justement, sur ces journées européennes du patrimoine, est-ce que tu as d'autres petites idées là, à nous donner pour celles et ceux qui veulent aller tout à l'heure dans c'est votre beau pays ? Difficile, il y a tellement de choix ces journées du patrimoine, on a trop de choix. Il y a plus de 60 sites qui sont ouverts, 60 visites qui sont proposées. Alors, des lieux exceptionnellement ouverts peut-être, comme le château d'Hermaville, à l'ouest d'Arras, ou encore la préfecture d'Arras qui ouvre ses portes à l'occasion des journées du patrimoine. On peut avoir aussi d'autres découvertes comme un marché du terroir à Pas-en-Artois. On a découvert pas une autre façon de visiter le village avec ce marché du terroir. Une façon aussi de traverser la ville. Et là, il faut être équipé de son petit chiffon. C'est proposé par l'association Compostelle Francigena. C'est de nettoyer toute la signalétique, le balisage au sol des chemins de pèlerinage qui traversent Arras, donc celui de Compostelle et de la Via Francigena. C'est une autre façon, c'est un événement participatif et une autre façon d'être sensibilisé au patrimoine immatériel. Et puis on peut aussi suivre de nombreuses visites guidées à Neuville-Saint-Va, sur les traces de la Grande Guerre, ou encore dans le village de Villers-Canicourt, où là on découvre une autre phase de la guerre, celle de 1918, la libération, qui va nous conduire vers la libération. Et on peut donc découvrir les traces de cette dernière opération sur notre territoire. D'accord. Tous ces renseignements, on les retrouve où ? Comment on fait Sur le site de l'Office de tourisme, c'est plus simple. Oui. Vous pouvez nous appeler également à l'accueil de l'Office de tourisme, mais vous aurez le programme complet sur le site, ce qui vous laissera le temps de découvrir toute la richesse qui est proposée à l'occasion des Journées du patrimoine. Bien, merci Laurence, merci pour cette belle balade. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté d'Arras, des campagnes également. On sait qu'on peut terminer aussi autour d'une bonne bière.
On va quitter les terres arageoises et maintenant on va prendre l'air qui nous vivifie, mais l'air chaud du Boulonnais. On va partir maintenant du côté de Boulogne-sur-Mer en Côte d'Opale. Ça y est, le décor est planté et pour en parler, nous accueillons la directrice Émilie de l'Office de tourisme du Boulonnais en Côte d'Opale. Bonjour Émilie. Bonjour Julien. Bon, ça va bien ? Bien, bon. En plein soleil. En plein soleil, oui, c'est ça, le soleil vient s'inviter, et il est bienvenu sur notre territoire et en plus il y a beaucoup de monde qui te regarde, je le sais, sur les antennes. On va faire un petit tour avec toi, là on va partir dans le Boulonnais, on va découvrir aussi des paysages et des visages de ce territoire. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux toi aussi nous dresser un peu la carte postale de ton territoire ? Bah écoute, le Boulonnais Côte d'Opale, c'est un territoire qui est situé entre Calais et Le Touquet, donc sur la Côte d'Opale. Et notre territoire, c'est 22 communes, pour faire grossièrement entre Vimereux jusqu'à Ardelot, avec 5 stations en fait balnéaires classées. Donc une richesse balnéaire en premier lieu, mais à savoir que l'ADN de notre territoire, on est sur la mer, sur l'histoire, depuis la période romaine, sur la nature avec des très grands espaces. D'accord. Est-ce qu'on a quelques images justement qui défilent et que tu peux commenter du territoire ? Je sais qu'on se balade, voilà, alors là on est à Boulogne. Boulogne-sur-Mer, qui est une des portes d'entrée du territoire, on n'a pas une seule Boulogne-sur-Mer, hein, on en a bien deux, avec une ville basse qui vit au cœur au rythme du port de pêche, vraiment avec une histoire très particulière maritime, ancrée dans l'ADN des habitants, et la ville fortifiée qui est vraiment sur ses remparts, 2000 ans d'histoire. En pleine vue, la colonne napoléonienne ici, juste à côté de 8000 et à côté des dunes de la Slack, près de Vimereux. Un territoire avec des paysages extrêmement variés, de falaises escarpées, mais également de grandes lignées de sable fin. Plusieurs stations balnéaires, ici on est sur une des plus british. Station de la côte qui est Ardelot, qui a vécu la naissance du char à voile, si tu ne le savais pas, qui est une station famille où toutes les générations confondues prennent un plaisir à venir et revenir. On a énormément de résidences secondaires et une programmation complètement adaptée pour les familles tout au long de l'année, toutes les vacances scolaires. Vous pourrez y faire vraiment plusieurs... vous essayez à plusieurs sports nautiques... la balade également, et quelques villas très 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 sympas. En parlant, là on les voit en direct avec une des grandes villas Cordonnier, qui est une des plus emblématiques de la station. Il est très très chouette aussi d'y faire des promenades en cheval. D'accord. C'est aussi possible sur le territoire. Sur Ardelot, vraiment, ce qui est emblématique, c'est le vent. Ouais. Qui pour nous est un atout parce que avec les sports nautiques c'est hyper important, mais également parce que ça s'imprègne en fait dans les visiteurs. C'est quelque chose qui est très très fort quand on en ressort, et il n'y a pas de météo en fait pour se promener dans le Boulonnais. Toute météo est bonne et prétexte en fait à aller se promener et se balader, puisque c'est le sujet du jour. Également, tout à côté d'Ardelot, le château d'Ardelot, qui est un petit manoir victorien absolument superbe qui a été restauré dernièrement, avec une programmation culturelle dans le théâtre élisabétain très très chouette. Ce qui est vraiment superbe, c'est de faire la visite, qui est aujourd'hui ouverte spécialement pour les Journées du patrimoine, mais aussi ouverte toute l'année,
c'est faire la visite dans les marais juste à côté, avec le lac des miroirs qui est vraiment hyper reposant, loin des fois du tumulte de la station balnéaire comme on connaît. Il est peu connu et pour autant, c'est un des patrimoines vraiment, vraiment remarquables. Génial, ça donne envie. On va continuer cette petite balade. On va rejoindre Antoine, qui est guide conférencier à l'Office et qui va nous emmener aussi à travers ces petites histoires. Donc, je retiens, le char à voile est né chez vous. Ici à Boulogne-sur-Mer avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Donc toi Antoine, tu es chargé de mission ici à l'Office de tourisme de Boulogne. Est-ce que globalement tu peux présenter là le territoire sur lequel on est, enfin le lieu sur lequel on se trouve ? L'endroit où on se trouve s'appelle le site de la Poudrière et c'est un lieu qui mérite à lui-même une visite puisque comme tu vois on est sur un site qui domine à la fois tout le détroit du Pas-de-Calais, hein. On voit des côtes anglaises jusqu'au Cap Griné, puis toute cette rade et sport de Boulogne. On peut comprendre ici vraiment déjà l'importance stratégique de ce lieu dans l'histoire à la fois portuaire, puisque Boulogne est encore aujourd'hui le premier port de pêche de France, et le côté historique, hein, c'est lui qui a amené cette richesse, et puis qui a amené aussi le tourisme balnéaire, puisque le tourisme balnéaire à Boulogne nous a été amené par nos voisins les Anglais, qui sont à 35 km d'ici. Et c'est justement ce qu'on va découvrir dans ce sujet. On va faire un petit peu le tour de votre territoire pour découvrir cet aspect, le tourisme balnéaire, mais aussi parler des journées du patrimoine. Antoine, tu as tenu à nous emmener ici, donc rue du Machicoulis, c'est un lieu un petit peu emblématique de la ville de Boulogne. C'est une rue que j'aime bien parce que c'est une rue vraiment typique du port de Boulogne, c'est les rues en escalier. Hein. Il faut imaginer qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de rues ici dans la falaise et sur le port étaient des rues en escalier comme ça. Puisque les pêcheurs, quand on a agrandi un petit peu le port, sont venus s'installer au plus près des quais. Et donc on avait de la place pour construire des maisons uniquement dans la falaise. Et donc cette rue, j'aime bien venir parce qu'il y a à la fois le musée de la Beurrière, hein, qui est ouvert bien sûr aujourd'hui et demain pour les journées du patrimoine et qui retrace vraiment la manière dont vivaient les marins pêcheurs ici dans ce quartier de la Beurrière, mais aussi dans le port de Boulogne. Ça permet d'aborder ce côté vie quotidienne, tradition maritime, pêche, mais aussi le côté station balnéaire, puisque Boulogne est une des premières stations balnéaires de France. Et puis on prenait ici à Boulogne les bains de mer, on avait un établissement de bains de mer, on avait un casino. Boulogne était une station balnéaire, mais on a aussi dans notre territoire deux stations qui sont un petit peu plus tardives, Huimereux et Ardelot, qui ont chacune leur charme différent et que je vous emmène découvrir tout de suite si vous voulez. Bon alors on n'a pas la météo pour l'instant, mais c'est pas grave, on va faire sans. Alors direction la plage, c'est parti. No more sunny days, no more sunny days. I got a heart that won't behave. I got a mind gonna make me insane. Juste avant de rejoindre la plage, Antoine, on a fait un petit arrêt ici à l'Office de tourisme de Boulogne pour découvrir cette roulotte de plage, c'est ça ? Parce que je voulais, oui, te montrer la roulotte de plage qui a été reconstituée il y a quelques années par les équipes de l'Office de tourisme. C'est une roulotte dans laquelle les dames, surtout les baigneuses, se changeaient à l'époque des mains de mer, à la grande époque des mains de mer. Alors, il faut rappeler qu'au début, les mains de mer, c'est les Anglais qui nous les ont amenés à Boulogne. Boulogne avait une forte communauté anglaise. Les Anglais se baigner dans un but thérapeutique à l'origine, puisque avant le 19e siècle, la mer faisait peur. C'était des chantiers, la mer, c'était pour pêcher. Et donc les Anglais ont commencé à se baigner à but thérapeutique pour soigner les maladies de peau, les maladies articulaires, pulmonaires, etc. Et dans quelques
en quelques années, c'est passé de la baignade thérapeutique à la baignade de plaisir. Et c'est cette baignade de plaisir qui est arrivée à Boulogne-sur-Mer. Mais dans cette époque qui était encore assez pudique, le 19e siècle, il ne fallait pas se baigner en maillot de bain, mais en costume de bain, donc avec un costume très complet. Et les chevaux poussaient cette roulotte jusque dans l'eau. Il y avait un garçon baigneur, un maître baigneur, qui venait chercher les dames et les immerger dans l'eau, selon la règle à l'époque. Mais alors on peut imaginer que c'était réservé à une certaine classe sociale, c'était pas accessible. Bien entendu, à l'époque, tout le monde ne se baignait pas, hein. Les ouvriers n'avaient pas le temps d'aller profiter des loisirs de la plage, mais à Boulogne, on avait toute une bonne société qui logeait dans... Il y avait quasiment 70 hôtels de main de mer à Boulogne, et donc on se baignait à but de plaisir. Direction la plage, on y va ? Allons-y. C'est parti. Antoine, on est arrivé ici à Huimereux, donc on peut dire que c'est l'une des stations balnéaires les plus connues du littoral. Oui, une des stations balnéaires les plus connues et une des plus belles digues promenades. Hein. Ici à Huimereux, on dit se faire une digue quand on va faire un aller-retour ou plusieurs allers-retours sur la digue pour admirer ces cabines de plage en dur qui vont succéder aux roulottes de bain qu'on a vues tout à l'heure. Qu'on a découvert juste avant à Boulogne, oui. Voilà, et donc et les villas balnéaires aussi. Il en reste à peu près 200 à Huimereux. Et on peut les visiter aujourd'hui et demain et puis à d'autres occasions, notamment l'été, avec l'association Le Charme de Huimereux qui propose des visites guidées de ces villas balnéaires. Pareil sur Ardelot, on y est passé juste auparavant, on a un très joli patrimoine bâti là-bas. Oui, des villas qu'on doit à Louis-Marie Cordonnier à Ardelot, un architecte qui est assez connu dans la région, qui en a notamment à l'époque construit une pour Louis Blériot. Bon, en tout cas, merci Antoine pour toutes ces jolies découvertes hein, sur le littoral. Alors pour conclure, puisqu'on est ici à Huimereux, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end pendant les Journées du Patrimoine ? Eh bien, on peut visiter les villas avec l'association Le Charme de Huimereux, puis on peut aller visiter tout le patrimoine de Boulogne, par exemple. Il y a plus de 2000 ans d'histoire à Boulogne, donc il y en a pour tous les goûts. Eh bien, on est là pour vous transmettre tous les bons plans. Merci Antoine, et puis on se revoit très vite, à bientôt. Merci à vous d'être venu, à bientôt. On dit Huimereux ou on dit Huimereux ? C'est toi qui vois, Julien. Ah, je choisis. Génial. Alors moi, les équipes m'ont toujours dit Huimereux. D'accord. Moi, je dis Huimereux. Tu peux dire les deux, on t'acceptera quand même. Donc on était sur la côte, on a vu la mer sur ton territoire. On vit avec la mer, on vit au rythme de la mer. Tu vis au rythme de la mer. Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche de France. Ce qui est très très chouette, c'est de pouvoir... découvrir le port et surtout on a un point de vue en haut d'une falaise à côté du calvaire des marins qui te permet d'avoir une découverte de la rade du port de Boulogne et partant dégagé, ce qui est trop chouette, c'est de voir les falaises anglaises derrière. Oh, c'est magnifique. Et puis un célèbre lieu qu'on visite du côté de Boulogne-sur-Mer, c'est Nausicaa. Oui, juste à côté du port de pêche, le premier aquarium d'Europe. Mais plus qu'un aquarium, c'est le Centre National de la Mer, qui est un lieu vraiment d'innovation, qui n'est pas seulement un lieu de visite, mais on est sur un lieu d'innovation, de sensibilisation à la sauvegarde des océans et de la mer. Une expérience absolument à vivre, c'est incontournable sur le territoire, vraiment. Génial. Et si je te dis sous-couche, première couche, ça te fait penser à quoi ? À de la peinture, hein. Il y a quelque chose qu'on a découvert, nous, à Boulogne-sur-Mer, c'est la ville, évidemment, cette magnifique ville, mais c'est aussi peut-être l'un des plus beaux musées de plein air qui se met en place au monde, c'est le street art. Hein. Un musée à ciel ouvert, tout à fait, qui n'est pas dans un esprit décoratif forcément, mais dans un esprit et une volonté de démocratiser la culture et de la rendre ouverte à tous les quartiers. Alors, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Monsieur Street Art. Tout à fait. Qui s'appelle Amzian, qui est donc chargé de mission art et culture à la ville de Boulogne-sur-Mer. Et on va aller à sa rencontre. On va prendre d'ailleurs un petit peu de hauteur. Toujours à Boulogne-sur-Mer et puis on est sur un lieu un petit peu particulier puisqu'on est sur une nacelle de chantier avec Amzian. Bonjour Amzian. Bonjour. Donc je vais filmer voilà, à l'iPhone. Bonjour Dorothée pour que les personnes qui nous regardent puissent se rendre compte. Alors qu'est-ce qu'on fait ici Amzian ? On est face à
un mur blanc. En fait, on va parler de street art avec vous, puisque vous, vous organisez ce festival de street art à Boulogne-sur-Mer, c'est ça? Oui, j'ai été missionné par le maire de Boulogne, donc c'est le projet de la ville de Boulogne, c'est pour développer un musée en plein air. Donc là, le mur qui se trouve juste derrière nous attend qu'un artiste vienne... vient s'occuper de lui finalement. Voilà, donc il s'agit de l'artiste chilien Francisco Maturana. On vient de faire la sous-couche. Et donc, ça y est, il y a encore un sujet qui va sortir et qui va apporter une plus-value dans la rue. Alors, on retrouve combien de fresques en centre-ville? Aujourd'hui, on est à 56. Et donc, c'est la 7e. Donc, c'est un petit bébé qui est en train de naître. Donc, ça serait la 57e. Donc, c'est une initiative de la ville que de valoriser les façades du centre-ville? Pas seulement valoriser les façades, c'est apporter une plus-value sur la question de la démocratisation culturelle par la rue. Donc cela veut dire qu'encore en fait l'habitant, il va visiter en fait sa ville, mais en même temps il va visiter des mouvements artistiques tels que l'impressionnisme par Cobra, tels que la nature morte par exemple par Francesco, l'anamorphose, le surréalisme, l'expressionnisme, l'abstraction. Donc en fait, vous avez un petit musée très modeste de 57 œuvres. Et donc l'objectif du maire de Boulogne, c'est d'aller encore un peu plus loin pour éventuellement amplifier ce musée en plein air. Donc ce sont des artistes du monde entier qui viennent ici à Boulogne-sur-Mer pour... pour ce festival de street art. C'est agréable parce que là maintenant les artistes, puisqu'on a travaillé sur une démarche culturelle vraiment très 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 intéressante, c'est-à-dire que l'artiste, en fait les artistes qui viennent, c'est pas des décorateurs, c'est pas du folklore, c'est des artistes à part entière, ils ont un style, ils ont une démarche et donc ils ont cru à Boulogne, ils croient encore à Boulogne et donc voilà, on fait partie des villes qui investissent un petit peu la rue autrement. En tout cas, merci beaucoup Hamzian, merci pour ce que vous faites. Et puis donc, toutes ces fresques sont à découvrir gratuitement du coup en centre-ville. J'imagine qu'il y a tout un parcours aussi touristique. Il n'y a pas que moi, Hamzian, je fais que bien partie. Bien sûr. Il y a vraiment toute une équipe et c'est vrai que grâce à cette équipe-là, qu'on peut pas, c'est comme un corps, vous avez besoin des yeux, du nez, un peu de tous les organes. Donc ça va, voilà, c'est vraiment une équipe de la ville de Boulogne qui fait qu'on est en train de faire de Boulogne un musée en plein air. Et donc bienvenue quoi. Je vous laisse le mot de la fin en regardant la caméra, peut-être pour inviter les gens qui nous regardent à venir découvrir toutes ces fresques et puis tout ce qui se fait ici à Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce que vous pouvez parcourir la ville en 1h30, 2h, 3h. Tout dépend si vous avez envie de marcher encore plus, donc c'est healthy, c'est vachement bien pour le corps. Donc vous pouvez visiter en fait toutes les œuvres, toute la ville en 6-7 heures de marche, donc ça ferait du bien. Donc voilà, on va découvrir la ville, on va apprendre sur l'histoire de la ville, mais en même temps particulièrement sur le street art. Eh bien, rendez-vous pris. Merci Hamzian. On peut marcher, à bicyclette aussi. Allons-y, merci beaucoup. Oh, mais ça donne super envie, hein. En plus c'est healthy, comme il dit Hamzian. Des petits renseignements d'ailleurs sur ces visites, tu peux en donner? Comment on se procure? Est-ce qu'il y a un plan pour pouvoir aller sur... Alors sur toute l'année, tu as des plans qui te permettent d'avoir des infos sur vraiment toutes les fresques. Alors on arrive à une cinquantaine de fresques, on a aussi un mini-site qui est dédié au street art et qui permet... aux personnes de vraiment se renseigner un peu plus fort, mais on a aussi une programmation de visites guidées depuis 2 ans maintenant, tous les étés, toutes les vacances scolaires, avec organisées avec Hamzian, avec les services de la ville et l'office de tourisme sur la commercialisation des visites. Et tu me le disais, pendant qu'on regardait le reportage, il y a de plus en plus de gens qui viennent de loin spécifiquement pour voir le street art. On a un marché de niche et cet été, le street art était nommé comme la 4e motivation à venir sur le territoire de Boulogne-sur-Mer particulièrement. C'est vraiment top, sans jeu de mots, avec ton territoire. Si tu pouvais encore nous donner quelques idées, notamment pour ce week-end ou pour les autres jours, sur le territoire du Boulonnais, tu penses à quoi? Moi, je pense quand même au château-musée qui est sur ses remparts, sur son promontoire rocheux, en haut de cette ville d'art et d'histoire de Boulogne-sur-Mer, c'est un musée qui est à l'intérieur d'un château, déjà, d'un point de vue... Waouh, quand on arrive, mon fils était juste estomaqué par le château en lui-même. Mais surtout, à l'intérieur, il y a une collection, c'est un mini-louvre, c'est le petit louvre en fait de Boulogne-sur-Mer, avec une collection de masques d'Alaska que le musée Branly nous envie, une momie égyptienne et des sarcophages assez chouettes.
Bon, bah, ça fait rêver tout ça. Tous ces renseignements, on les retrouve auprès de ton office de tourisme? Oui, et donc avec plusieurs bureaux sur Vimereux, Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Ardelot, et également sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Bon, bah, merci beaucoup, Émilie. Tu vas Julien. Retrouver le soleil de la Côte d'Opale pour passer ce bel événement, ce week-end des Journées européennes du patrimoine. Profitez-en, allez sur les sites des offices de tourisme. Nous, on va encore prendre une nouvelle direction. Elle va être plutôt littéraire, puisqu'on va s'intéresser à Victor Hugo, notamment. Vous l'avez deviné, nous allons partir maintenant du côté de Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale. On se retrouve depuis les bureaux de l'office de tourisme de Montreuil. Assez sympathique vos bureaux, Manon. On est plutôt pas mal ici. On va pas se plaindre, c'est vrai. Joli décor. Non, on est donc à l'office de tourisme de Montreuil. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Donc, globalement, on peut expliquer ce qu'on fait là sur cette plage à Montreuil. C'est une exposition, hein, c'est ça, qui est disponible chez vous à l'office. Alors oui, c'est ça. On peut dire Montreuil-sur-Mer, mais pour autant, on n'a ni la mer ni la plage. Là, on est au sein d'une exposition qu'on a mise en place ici à l'Office de tourisme à Montreuil-sur-Mer. C'est une exposition qui retrace les 100 ans de la destination touristique qu'est le Montreuilois. Et on a voulu la rendre très immersive, cette exposition. Donc voilà, on a ramené un petit bout de plage ici. On s'y croit, elle est plus dans le sable, on va faire un petit château après. Bon alors, comment est-ce que... Ramener ce qu'il faut quand même. Ouais, bah oui, mais je pense qu'il y a de quoi, hein. Il y a de quoi derrière. On va... Ouais, ça va aller. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre territoire, parce que vous êtes entre l'intérieur des terres et puis ces jolies plages du littoral? C'est ça. Le Montreuilois, c'est quand même un territoire qui est assez vaste. On couvre une bonne quarantaine de communes malgré tout. Et on a aussi bien cet avant-pays avec la ville de Montreuil-sur-Mer, la vallée de la Course, etc. Qui ont des paysages très, très verdoyants avec le fameux fleuve Canche qui passe par chez nous. Donc avec cet aspect très nature et très bucolique. Et en même temps, on a aussi une frange littorale entre Stella et Merlimon. Et là, c'est les super plages de sable blanc, comme ici. Et puis aussi un cœur de territoire avec la ville de Montreuil. C'est super mignon ici. Enfin, c'est vraiment joli, la place, les petits bars, les petits restaurants. C'est super cool. Complètement, quoi. Des cités fortifiées dans le coin, il y en a. Mais Montreuil... Je vais être un peu chauvine. Montreuil, ça vaut le détour quand même. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Alors, sur ce week-end, là, pendant les Journées du patrimoine, est-ce que tu as quelques bons plans à nous partager? Complètement, parce qu'on saisit l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine pour ouvrir des sites qui ne sont pas ouverts en tout temps. Ce sera le cas, par exemple, des souterrains allemands qu'on trouve à Montreuil-sur-Mer, qui se trouve sous les remparts médiévaux de la ville. On aura aussi d'autres églises qu'on va faire ouvrir dans certains villages, comme le village de Montcavrel, par exemple, qui sont des sites qui ne sont jamais ouverts au public habituellement. Et là, pour l'occasion, on va réussir à en ouvrir les portes. Super. Et puis, donc la journée, on peut parcourir le territoire avec toutes ces visites. Puis il paraît que chez vous, il y a... petit rituel, ça s'appelle le PPP. C'est quoi ça, le PPP? Alors, le PPP, c'est un peu la spécialité qu'on a par chez nous. C'est-à-dire que, c'est être bien entouré, une bande de copains, un joli lieu, des bons produits, très simples mais très bons. Et puis, on profite tout simplement. Donc, le fameux pain pâte épinard, nous, on y tient. Et puis, si le cœur vous en dit, si la météo est de notre côté, et ben, pour les JEP, moi, je vous propose de venir par chez nous. Vous allez, c'est le meilleur boucher charcutier, le meilleur caviste. Prenez un bon morceau de pâté, une bonne bouteille et vous choisissez le meilleur spot sur les remparts ou sur les plages pour déguster le PPP entre copains. C'est des bons vivants, les Montreuillois, en tout cas. Bon, en tout cas, nous, ici, on a le sable, on entend
prend les vagues, on a le soleil, il manque plus, il manque plus que l'apéro, on va prendre l'apéro peut-être, Manon. Oui, bon, on s'attarde pas, on y va. C'est allez. Parti, merci beaucoup. À bientôt. Le PPP. Alors, on a passé la matinée autour de la bière, maintenant on est sur le Pinard. Bon, très bien. Je ne sais pas quelle image on va donner de la destination autour de la plateforme des organismes de tourisme, mais en tout cas, vous le voyez, on partage beaucoup de choses, des bonnes bières, du bon vin, du pâté, du pain. C'est ce qui est magnifique sur ce territoire. On va continuer. Alors, vous allez voir, Quentin peut se téléporter assez rapidement. On va aller à quelques kilomètres de Montreuil-sur-Mer. On va prendre la direction du mont Cavrel. Est-ce que ce sont le mont des chevreaux? Bref, il y a une explication autour de tout cela. Et Quentin rejoint maintenant Karine, qui est médiatrice sur place culturelle et qui est donc à l'église du mont Cavrel. Avec Dorothée, on est arrivé en pays montreuillois, en Côte d'Opale. On est accueilli par Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Alors tu es médiatrice culturelle ici à l'Office de tourisme de Montreuil. Voilà. Merci de nous du Montreuillois en Côte d'Opale. Oui, du Montreuillois en Côte d'Opale, important. Bah oui, parce que c'est un grand territoire. Exactement. Ouais. Alors déjà, merci de nous accueillir. On est ici, donc tu nous présentes un petit peu ce petit village, très mignon d'ailleurs. Alors ici, on est dans le village de Montcavrel, donc qui se situe en fait dans la vallée de la Course. Donc c'est une vallée super mignonne, très boisée, très nature et avec une architecture très typique où il fait bon se balader. Et en fait, dans cette vallée, vous tombez sur le village de Montcavrel. Donc pareil, où on retrouve cet habitat un peu très typique avec le torchis, les fermes, etc. Et puis surtout, en fait, là où nous sommes, dans ce lieu, donc dans cette église Saint-Quentin de Montcavrel. Bah oui, puisqu'on a de la chance. Ça, c'est une église qui est habituellement fermée au public, c'est ça? Oui, donc, c'est ça, en fait. Ouais, elle est en restauration, ouais. Donc en recherche de fonds, d'ailleurs, pour continuer cette restauration. C'est une église très ancienne et très importante, en fait, par rapport à la taille de ce village. Alors, d'extérieur, on peut penser qu'elle est un peu petite, parce qu'en fait, il n'y a que le chœur et l'espèce de transept, et en fait la nef a complètement été détruite au XVIe siècle, à peu près, notamment autour avec les Anglais, etc. Donc du coup voilà. En tout cas, une histoire à découvrir aujourd'hui et demain pour les journées européennes du patrimoine. Oui. Comment ça se passe pour les visites, Karine? Alors sur Montcavrel, eh bien justement, ce sera le dimanche 18, donc ce sera à 16h, où on aura un tour du village justement avec une présentation de cette église, et on va pouvoir rentrer et assister justement à un petit spectacle justement pour mettre en lumière aussi ce lieu qui maintenant malheureusement n'est pas encore ouvert, mais il sera réouvert prochainement, on l'espère, et toujours aussi bien la visite au culte aussi. Donc si on croise les doigts pour que ça puisse se refaire. Bon, rendez-vous en Montreuil et puis ici à Montcavrel. Merci Karine. Avec plaisir. Nous sommes toujours dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, de cette émission Balade en Hauts-de-France avec la plateforme des organismes de tourisme de la région Hauts-de-France. J'ai parlé pour laisser le temps à Quentin donc, et à Karine d'aller un peu plus loin encore sur le territoire de Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale. Ils sont maintenant directement dans la ville, sous les remparts, et ils vont nous faire visiter un endroit mystérieux qui date de la Seconde Guerre mondiale, les fameux souterrains allemands de Montreuil. Bienvenue à Montreuil, ou plutôt sous Montreuil. Karine, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on est dans la dernière fortification vraiment qui a été faite sur Montreuil, puisque on a la chance d'avoir toute l'histoire de la fortification du XIIIe siècle au XXe siècle, donc en commençant par les remparts, une citadelle, et en finissant ici, donc dans le complexe souterrain allemand. Donc c'est un édifice de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça? Exactement. Construit donc à partir de 43, fini l'été 44, mais finalement peu utilisé puisque Montreuil a été libéré le 4 septembre 44. Donc c'était vraiment un lieu de vie ici pour les soldats allemands, c'est ça? Oui, exactement. Il y avait vraiment tout. Donc il y avait plusieurs chambres, le chauffage, une citerne pour l'eau, la cuisine, la chaufferie, les sanitaires. Enfin vraiment, tout était fait pour accueillir. C'était pas un hôpital comme beaucoup l'ont pensé il y a quelques années. Non, c'est vraiment un complexe pour accueillir le soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh.
Bon alors ici, Karine, c'est le cœur de la maison, la cuisine, on l'a dit, hein, c'est un vrai lieu de vie pour les Allemands. Alors c'est habituellement un lieu qui est fermé au public, mais on pourra te retrouver aujourd'hui et demain pour les journées du patrimoine. Exactement. Pour des visites guidées. Oui, voilà, départ toutes les 20 minutes, l'après-midi, 14h-17h, voilà, on rentre, on fait l'explication, on voit un peu ce qu'il y a à voir, on comprend l'histoire de ce complexe. On ressort et puis voilà, et puis après on rentre et voilà, ça va être tout ça l'après-midi. Et comme on ne peut pas les laisser ouverts à tout vent, et bien voilà, c'est exceptionnel de les ouvrir au moment où on profite des journées du patrimoine pour le faire. Bon, en tout cas, c'est un lieu très intéressant. Alors peut-être pour conclure, quelques autres idées de sortie événementielles pour ces journées du patrimoine sur votre territoire. Alors sur le territoire, ben, par exemple dimanche matin, on sera sur le port de la Madelon à Ouaban. Là, on aura une visite nature et un atelier peinture en même temps, des visites de la sous-préfecture de Montreuil, du théâtre, de la ville et la citadelle aussi, avec plusieurs animations à l'intérieur. Bah, vous l'avez compris, rendez-vous en Montreuilois, c'est ça. Voilà, en Côte d'Opale. En tout cas, merci Karine pour toutes ces découvertes et puis au plaisir. À bientôt. Merci Karine. Merci beaucoup Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale pour cette balade. On retrouve toutes les informations ici sur la destination. On vous quitte, on espère se revoir bientôt autour du PPP. Pour l'instant, on vient donc ici, dans le pays de Saint-Omer où nous trouvons. Nous sommes magnifiquement accueillis d'ailleurs au château de Tilk, on y reviendra tout à l'heure. Voici quelques images du lieu dont nous allons parler maintenant. De bien belles images de notre pays de Saint-Omer. On va parler bien évidemment des journées européennes du patrimoine. Et pour nous en parler, mon invité est Lucie, qui est chargée d'études et programmation culturelle publique au Pays d'Art et d'Histoire au sein de l'agence d'urbanisme. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue dans cette première émission. Merci. On va parler donc du patrimoine, comme on le disait. Alors c'est le Pays d'Art et d'Histoire notamment qui a élaboré ce programme d'animation autour du pays de Saint-Omer. Est-ce qu'on peut en quelques mots décrire ce week-end qui nous attend? On est très impatients ici. Oui, bah, ça va être un week-end très très riche, week-end du patrimoine, où une fois par an, et ben, on met le zoom sur la richesse patrimoniale du territoire. Alors cette année, la thématique patrimoine durable. Donc nous, au sein de l'agence d'urbanisme qui porte le label Pays d'Art et d'Histoire, on a choisi de le décliner en 4 thèmes. D'accord. Très rapidement, on a le patrimoine vert. Donc là, c'est tout ce qui est patrimoine paysager, avec des randonnées, notamment une première randonnée sur Éperlec. C'est la première année qu'on le fait. D'accord. Ça a lieu demain matin, rendez-vous à 9h. On a aussi la riche programmation de la Maison du Marais dans le cadre de ce patrimoine durable, avec des balades en back-off spéciales, des rencontres avec un maraîcher, enfin voilà, des choses vraiment très très sympathiques. Ça c'est pour le premier thème. Ensuite, on va avoir le patrimoine résistant, donc le D'accord. patrimoine qui résiste dans le temps, avec les béabas, hein, le moulin à café, la sous-préfecture, le palais de justice. Mais on a aussi des choses hors Saint-Omer, puisqu'on a un pays d'art et d'histoire sur 32 communes. On retrouve l'AMGA, par exemple, qui ouvre ses portes à Arc de manière assez exceptionnelle. L'AMGA, c'est le complexe gymnique, hein, du territoire. Fait. Comme quoi, il y en a vraiment pour tous les points, l'AMGA. Ensuite, la troisième thématique, on a tout ce qui va être savoir-faire perpétué. Là, pour la première année, la cristallerie d'Arc, Arc France, nous propose des visites. On en a une dernière cet après-midi à 14h30, notamment à ne pas manquer. La distillerie à Houle aussi, pour la première fois, ouvre ses portes. Et puis, on va avoir tout ce qui va être patrimoine... on va dire mémoire durable. Mmh. Donc là, on va retrouver plutôt les expositions, qu'elles soient temporaires ou permanentes, dans nos musées, musée Sandelin, maison de l'archéologie à Terouanne, ou encore pavillon préfigurateur de la maison du patrimoine. Donc voilà, une riche programmation pour ces deux jours. Ouais, ça fait combien de visites tout ça? Près d'une centaine, j'ai l'impression. C'est ça, on n'en est pas loin. Ouais.
Est-ce qu'il y a des lieux qu'on va découvrir ou redécouvrir pour la première fois? L'ascenseur à bateau, on en a entendu parler, par exemple. Oui, tout à fait. On a de jolies visites donc à Devoix avec l'agence d'urbanisme de Saint-Omer. Donc ce matin, mais aussi demain matin et en début de dimanche après-midi. Donc l'ascenseur à bateau des Fontinettes va réouvrir prochainement. Et là, l'idée, c'est de pouvoir permettre au public de... on va dire, se sensibiliser à ce site, de le retrouver aussi, puisque les habitants d'Arc, notamment, ont une histoire particulière avec. Mmh. Et donc, au détour de ces visites, renouer avec l'histoire de ce lieu et puis imaginer un petit peu les possibles de ce que sera l'ascenseur à bateau quand il réouvrira. On les retrouve où, ces informations, Lucie? Sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Omer. Tout y est dédié, précisé. On a aussi créé une application cette année qui est accessible depuis le site de l'Office de tourisme. Très bien, bon, ça donne vraiment envie d'aller sur ce territoire. C'est vrai qu'il y a une riche programmation de la part du pays d'Arrêt d'Histoire, mais aussi toute l'année. Hein. On pourrait peut-être dire quelques mots sur ce qui nous attend. Il y a beaucoup de visites traditionnelles pour découvrir nos centres-villes, des ateliers pour les enfants. Tout à fait. Je peux vous faire un petit teasing du coup pour la programmation octobre. Allez. On va retrouver des visites nocturnes donc sur octobre et novembre. La première, c'est le 7 octobre, mais cette fois-ci sur les grands personnages de Saint-Omer. Je ne vous en dis pas plus, simplement le titre c'est « Une soirée avec ». D'accord. On va vous proposer des petites découvertes. On a aussi en effet pour les vacances d'octobre des ateliers à la maison d'archéologie et au pavillon préfigurateur de la maison du patrimoine pour les 3-5 ans, 9-12 ans, 6-8 ans. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et notamment un petit atelier « La science des druides » à la maison d'archéologie. C'est la première fois qu'on le fait et franchement réussir à deviner la météo qu'il va faire grâce à une pomme de pain, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr à côté de ça on retrouve les centres historiques et les visites classiques du Moulin Café ou autre. D'accord, bon, tout ça, on retrouve ça aussi sur la page Facebook de l'agence d'urbanisme. Tenez-vous au courant. Voilà, les grands personnages sont convoqués bientôt sur notre territoire et vous allez partir à leur rencontre. Merci Lucie. Merci à vous. Bon week-end pour ces journées du patrimoine. Bon courage parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie tout au long de cette période. Et puis, à très bientôt. Nous, on va partir maintenant du côté d'Ers-sur-la-Lys, où Thierry, qui est passionné par cette ville, qui est aussi un comédien, puisqu'il fait partie de l'association C'est pas du jeu, a reçu Quentin pour une petite balade. Bonjour Thierry. Bonjour Quentin. Alors Thierry, on va passer un moment ensemble. Tu vas nous faire découvrir cette ville parce que tu es un passionné d'histoire, du patrimoine et surtout du patrimoine d'Ers-sur-la-Lys. Absolument, ouais, c'est vrai. Alors là, juste ici, c'est la ville en 1745, c'est ça? C'est un plan relief? C'est le plan relief, c'est la reproduction du plan relief. L'original est à Lille. Et d'ailleurs, durant ces journées du patrimoine, vous êtes invité par Thierry à découvrir ce plan relief parce que tu fais partie d'une association, c'est ça, une compagnie culturelle. Tu vas faire une animation autour du plan relief le dimanche 18 après-midi, 3 ou 4 fois dans l'après-midi. Et bah, très bien, le rendez-vous est pris. Si tu veux bien, on va voir cette ville, mais en vrai, on y va? Exactement. On va faire la visite des incontournables, c'est ça? C'est ce que tu m'as proposé. Il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. Alors Thierry, on démarre le City Tour au pied du Beffroi, on est juste en bas. C'est certainement le lieu le plus emblématique de la ville d'Ers-sur-la-Lys. Ah, l'un des monuments les plus représentatifs, oui, puisque traditionnellement, les Beffrois sont le symbole de l'autonomie des communes. Un édifice de quelle époque, à peu près? Celui-là, 1724, il a été reconstruit en même temps que l'hôtel de ville. Et bien sûr, ouvert pour les journées du patrimoine. Alors là, c'est une jolie vue assurée. Ouais. Et même... au-delà des journées du patrimoine, ça se visite toute l'année. Exactement. Ah ouais, absolument. Et alors, juste à côté de ce beffroi, on retrouve l'hôtel de ville. Juste à côté, oui. D'ailleurs, si vous venez voir, vous saurez pourquoi le beffroi est curieusement placé par rapport à l'hôtel de ville. On enchaîne? C'est parti? Absolument. On y va? Allons-y. On y va. Alors là, Thierry, on est arrivé dans la chapelle Saint-Jacques, un lieu assez chargé en histoire. Tu peux nous en dire quelques mots? Chargé d'histoire, oui. C'est une chapelle de style jésuite. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Et elle est vraiment représentative de ce style d'architecture que les jésuites maîtrisent déjà depuis assez longtemps. Elle est remarquable donc pour cet aspect-là et aussi pour d'autres ornementations qui sont sur ces murs. Et qui c'est assez chargé. Hein, oui, et ça n'a rien à voir avec l'esprit dépouillé des jésuites. Hein.
à commencer par les pendrillons dorés qui ne sont pas du tout d'origine dans la chapelle, et pour finir par cette gloire impressionnante par ses dimensions. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Oui. On dit qu'elle figure parmi les plus grandes gloires d'Europe. D'accord. Mais ça, c'est peut-être une fierté purement héroïque, on ne sait mais pas. C'est bien, il faut le dire. Alors, il faut l'affirmer. Et tout ce qu'on voit ici comme boiserie, comme lustre, comme gloire, ça date du milieu du 19e siècle. Il faut dire que la chapelle a eu une histoire très mouvementée à partir de la Révolution. Elle a servi de magasin à poudre, de magasin à fourrage, de manège à chevaux. De manège à chevaux. De manège à chevaux. Original. Elle a failli être rasée pour de bon à un moment donné. Et finalement, elle a survécu à tout ça. Et c'est toute cette histoire qu'on vous invite à venir voir aussi, si vous en avez la curiosité. Voilà. L'édifice, voilà, témoin du passé de la ville. Exactement. Alors, cette chapelle, forcément, nous invite à rejoindre la collégiale. On y va tout de suite. On y court. Quentin, nous y voici. Bienvenue à la collégiale Saint-Pierre. Bah merci Thierry. Alors c'est un lieu assez, encore une fois, on ne peut plus symbolique, assez grandiose. On est rentré tout à l'heure, l'orgue jouait. Enfin, c'est assez magnifique. Quand assez même. Impressionnant par ses dimensions, oui. Elle est l'une des plus grandes églises du département. Et elle est intéressante à visiter pour un tas de raisons. Il y a un tas d'éléments architecturaux, de petites particularités. La fresque de Saint-Jacques, les voûtes centrales, le style des voûtes latérales, qui ne la rendent pas unique, mais très particulière dans la région, au moins. Ouais. Et ben, en tout cas, on sent le Héroï qui est fier et tout le temps, tout au long de la visite de sa ville. Hein. Oui, ça fait plaisir. C'est une ville qui a beaucoup de patrimoine et c'est sympa à visiter. Il y a toujours de quoi faire, de toute façon. Ah, mais c'est certain, ça, on n'en doute pas. Et d'ailleurs, c'est dans les lieux saints qu'on prend les bonnes décisions. Oui. Moi, je te propose de terminer la visite sur une petite bière. Allons-y. Ah, j'ai cru que tu allais me proposer d'allumer un cierge, mais c'est beaucoup mieux. On y va comme ça, avec plaisir. Bon bah Thierry, toutes les bonnes choses ont une fin, mais celle-ci, elle est plutôt agréable à prendre. Alors santé, et puis merci de nous avoir fait découvrir Air sur la liste. Mais finalement, on a vu une infime partie de tout ce patrimoine qu'il y a à découvrir ici. Oui, c'est un patrimoine riche, il y a beaucoup de monuments classés, il y a beaucoup de façades inscrites. Il y a encore des choses qu'on n'a pas vues avec le bailliage, avec d'autres éléments du patrimoine hérois. Donc ça vaut le coup de faire une balade à Air quoi qu'il arrive, parce que c'est une ville qui va se montrer sous divers aspects. Voilà. Alors justement, durant ce week-end, on vous invite à aller rencontrer Thierry, aussi les associations qui font vivre ces journées européennes du patrimoine. D'ailleurs, on peut parler de C'est pas du jeu, ton association, Thierry. Oui, C'est pas du jeu est né il y a quelques années autour d'un groupe de passionnés. On fait des animations de rue, on fait des animations pour certaines situations particulières, justement autour du plan relief d'Air sur la Lys pendant les journées du patrimoine. On a également un atelier d'expression théâtrale qui est né il y a quelques années, qui tourne bien, qui est le seul atelier adulte d'Air sur la Lys, voilà. Qui se produit tous les ans en juin. Donc une belle association à découvrir dans une chouette ville, il faut le dire. On est d'accord. Bon allez, merci encore, on se la voit. Santé. Allez, bon. Quentin est un zytologue. Toujours autour d'une bonne bière où qu'il aille, voilà. Je pense qu'il a fait une bonne tournée des villages, des territoires. Mais on va continuer sur la partie du patrimoine, sur ces journées européennes du patrimoine. Vous avez vu, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de rendez-vous ici dans les Hauts-de-France. Nous sommes en Pays de Saint-Omer. On a fait une petite balade tout à l'heure avec Lucie du Pays d'Art et d'Histoire. Et maintenant, nous allons partir avec Mathilde, qui est chargée de mission valorisation du patrimoine au comité d'histoire du Haut-Pays. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, dans cette première émission. Alors là, on va partir sur une partie du Pays de Saint-Omer, sur une partie du Pays de l'Imbre avec vous en balade autour de ces journées du patrimoine. Alors déjà, le comité du Haut-Pays, d'histoire du Haut-Pays, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? Alors déjà, c'est une association qui compte plus de 300 membres et 30 membres actifs.
et qui est présidée par René Lesage, donc voilà, et qui profite du travail aussi de Sophie Léger, oui, qui est animatrice culturelle et que je seconde du coup dans mes tâches, dans ses tâches à côté de mes études. Et nous, notre travail de tous les jours et notre passion, c'est de faire vivre l'histoire locale. Et pour cela, on fait des expositions, des visites guidées, de la recherche. On assiste également quelques associations locales dans leurs actions. Et pour ça, on est pas mal sollicité sur le pays de l'Indre. Et notamment, cette année, on a lancé, qui est présente à l'Office de tourisme du pays de l'Indre, une exposition, Tous en gare, qui est le fruit d'une recherche et d'une collecte de mémoire, comme on procède assez régulièrement. Et donc cette exposition, elle est visible à l'Office de tourisme, comme je l'ai dit. Et pour la réaliser, on a travaillé avec le CFTVA, oui, donc le chemin de fer touristique de la vallée de la Haye, et également le pays d'arrêt d'histoire de Saint-Omer. Et donc cette belle collaboration a pu mener à cette exposition, Tous en gare, du train aux tortillères, qui est donc visible à l'Office de tourisme de l'Indre, aux horaires habituels d'ouverture. Donc voilà. Et on est également partenaire donc d'autres associations, comme je le disais, sur le pays de l'Indre, notamment le Château d'Aquimbronne à l'Indre, qui, pour ses journées du patrimoine, a lancé une deuxième équinoxe. Donc, qu'est-ce que c'est les équinoxes au Château d'Aquimbronne? C'est en fait une réunion de deux artistes qui ont fait des installations dans le parc du château, et il est possible de les découvrir durant ces journées du patrimoine. Donc, ils seront ravis de vous accueillir également pour découvrir ce magnifique lieu. Et puis, on est également partenaire de voisins au château d'Aquimbronne, donc à Coin, avec les Amis de Sainte-Pétronille. Donc, en fait, cette année, on a pu inaugurer un parcours de signalétique patrimoniale dans le village qui permet de faire un petit tour et découvrir ce patrimoine caché qui s'appelle Rendez-vous en patrimoine inconnu. Et donc, ce parcours qui a été inauguré en juillet, là, tout récemment, il est possible de le découvrir au Journée du patrimoine avec les Amis de Sainte-Pétronille qui l'exploitent et qui le font découvrir avec bien d'autres animations. On a par exemple un repas médiéval et demain des visites dans la tour clocher du 15e siècle. Donc c'est assez impressionnant à voir. Je vous invite vraiment à vous y rendre. Il y a un gros programme autour de ce que vous faites. Alors vous êtes étudiante à côté. Oui, c'est ça. Donc, j'ai rejoint le comité l'année dernière au cours de mes études. En fait, je devais trouver un stage. Je suis en master patrimoine et musée. J'étais en première année et j'ai pu bénéficier de l'expertise du comité, du fait d'être polyvalente sur plein de projets, etc. Et donc, j'étais chargée de mission, valorisation du patrimoine et médiation. Et je l'ai exercé aussi cet été et là, je le continue cette année en mi-temps à côté de mes études. Et voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. On est dans une très bonne ambiance conviviale au comité, c'est toujours... voilà. Et votre travail consistait en quoi pendant ce stage? Alors pendant ce stage, justement, j'ai aidé au développement j'ai créé en fait ce parcours rendez-vous en patrimoine inconnu. Le comité m'a accompagnée pour l'ingénierie conseil, etc., la rédaction, donc on a monté ça ensemble. J'ai été aussi chargée de faire cette exposition Tous en gare, donc j'ai aidé un peu à la rédaction, à la médiation, puisque je suis chargée de ça. Donc on a mis en place un pupitre interactif, donc c'est une nouveauté pour nous au comité, ce type d'accompagnement de visite. Et également un livret-jeu donc pour les 7-10 ans, qui retrace un petit peu l'exposition de manière ludique. Voilà. Merci Mathilde. Eh ben merci. Il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. Toutes ces informations, on les retrouve sur un site internet. Voilà, on peut retrouver les informations sur le site du comité, la page Facebook également. Et pour ce qui est du château d'Aquimbronne et d'Acoin, ils ont aussi leur site et leur page Facebook dédiée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout y est indiqué. Merci beaucoup. Ouais. À très bientôt. Et puis bonne journée européenne du patrimoine. Et puis à très bientôt encore pour d'autres activités. Je connais bien aussi cette association du comité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités toujours autour du patriarche René Lesage qui a poussé cette association. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'activités autour. Ça fait 50 ans cette année, d'ailleurs, l'association. Donc c'est important pour nous aussi. C'est symbolique. Bon anniversaire à l'association. On en reparlera très certainement sur les pages Facebook de l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer. Il y a une grande exposition aussi qui a lieu sur ce territoire qui va se terminer bientôt à la fin du mois. C'est une exposition autour du sacre de Napoléon avec des objets exceptionnels. Si vous n'êtes pas encore allé visiter, c'est le moment ou jamais. D'ailleurs, on va vous donner trois bonnes raisons d'y aller.
Toutes les informations autour de cette exposition à retrouver sur le site de l'Office de Tourisme, www.tourisme-saint-omer.com. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous autour de ces balades dans l'Arageois, le Montreuillois, le Boulonnais et l'Audomarois. On a passé un magnifique moment ici, au château de Tilk, qui est évidemment situé à Tilk. On a été magnifiquement accueillis par les équipes et son directeur François. Et d'ailleurs, François nous accompagne pour cette conclusion. Bonjour François. Bonjour Julien. Alors toi, tu as vécu ça des coulisses. J'ai vécu ça des coulisses, mais c'est très intéressant, c'est une bonne expérience, hein. Vous êtes une belle organisation. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement sur l'endroit où nous nous situons ? Je suis très heureux de vous accueillir déjà, à l'occasion de ces journées du patrimoine. Hein, que le château Tilk, c'est aussi un lieu un peu significatif du patrimoine audomarois, bien connu des locaux. Et donc voilà, à deux pas des marais de Saint-Omer. Et donc on est sur un domaine de 4 hectares, donc à deux pas de Saint-Omer, et c'est au-delà du patrimoine, c'est aussi un lieu de villégiature, de visite, de séjour. Donc on a un hôtel de 50 chambres, un restaurant, un espace bien-être, une belle piscine chauffée, etc., etc. Donc on peut organiser plein de choses. On peut venir en séjour simple ou on peut organiser des événements, des mariages. On a eu beaucoup de mariages, on en a encore même aujourd'hui, beaucoup de mariages au sein du château durant la saison. Et d'autres événements, nous-mêmes nous organisons des événements, des soirées à thème. La prochaine d'ailleurs a lieu le 30 septembre, on fait une belle soirée jazz. Et puis une autre soirée qui va être très originale au mois de novembre, le 18 novembre exactement, autour du vin à l'occasion de la sortie du Beaujolais. Mais voilà, on ne vous en dit pas plus, vous aurez ça sur les réseaux. Voilà. Donc un endroit événementiel de mariage. Alors je dis ça parce que derrière toi, voilà, on voit des personnes qui célèbrent ce mariage. Et puis un principe au niveau de la restauration également, avec une magnifique terrasse. On peut encore en profiter. Voilà. Une formule grill le midi très sympa, au restaurant. Et puis une restauration plus traditionnelle le soir. Voilà. Et puis bon, le château Tilk, c'est... ça fait partie aussi d'un petit groupe qui s'appelle le groupe Nagetti et qui rassemble quelques hôtels qui sont principalement sur la région. Et donc justement, au détour à l'occasion de séjour aux visites du patrimoine ou à d'autres périodes, on est sur des destinations qui sont assez sympas. Il y a l'hôtel du Golf qui est tout près d'ici, il y a Ardelot, il y a l'hôtel du Parc. À Cléry, du côté de Boulogne-sur-Mer, il y a le château Cléry. Et après, on a même des hôtels sur la Bourgogne et sur la Côte d'Azur, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc voilà. Tous les renseignements, toi, tu as un site internet, une page Facebook. Exactement. Et on peut retrouver tous ces hôtels également en lien directement à partir de ton site. Le château Tilk est, contrairement à d'autres destinations qui sont visitables que durant le week-end du patrimoine, nous sommes visitables toute l'année. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on peut y boire une bonne bière, je parie. Une bonne bière. Bien sûr. Tout à fait. Bon, c'est ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'il y a eu tellement d'appels merci tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première de la réalisation POT, de la plateforme des organismes de tourisme de la région de France. On a été très heureux de parcourir ces équipes qui gèrent les offices de tourisme, d'aller à la rencontre de ces donc destinations. On a été particulièrement heureux aussi de l'émulsion de ce travail collaboratif. On espère qu'il y aura d'autres émissions de ce type. Je tiens à remercier toutes les personnes donc qui nous ont accueillis, à commencer par toi. Remercier également les équipes de la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Vous avez vu Quentin, vous avez aperçu Dorothée aussi à l'image, qui a pris de la hauteur du côté de Boulogne-sur-Mer. Remercier également Aurélien à la réalisation, nos deux accompagnants également qui étaient présents, Jérôme et puis Florent. Bref, c'est toute une équipe en coulisses qui a travaillé à vous faire voyager, peut-être à vous faire rêver, en tout cas à vous donner l'envie de vous balader parfois à proximité de chez vous. J'espère que le pari est réussi. On se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt sur notre territoire, notamment pour les visites merveilleuses. Et puis, maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Donc, De la bière éventuellement. Allez, à bientôt.